Yo tout le monde, on est dimanche 31 octobre, jour d'Halloween. Il est 7h51 et à 9h02, on a notre petit train pour aller à Bruxelles. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit événement sneakers, Sneakermania, et ils ont eu la gentillesse de m'inviter. On va prendre le train, on va y aller. Derrière la caméra, comme d'habitude, est ma copine qui m'accompagne. J'espère qu'on va trouver des petites paires, j'espère qu'on va s'amuser, puis je vous amène avec moi. Bon, on est arrivé en Belgique, on est arrivé donc du coup à la Sneakermania, c'est un événement sneakers à Bruxelles, on va y aller dedans. J'ai deux objectifs, aller chercher une Neutral Grey et une Dunk Chicago, alors du pack de 75e anniversaire de NBA. J'espère que je vais trouver. Le seul souci, c'est que j'ai pas pu retirer d'argent avant de venir, donc on va espérer qu'on puisse payer par PayPal et puis on va voir ce que ça va donner, on va y aller. Le vrai truc, c'est est-ce qu'on va pouvoir trouver des paires à des bons prix? Là, je sais pas. On va aller voir Andrea d'abord et après on va voir. J'ai même pas pris ma sacoche. Ça va, ils sont pas trop stressés là? Moi je suis stressée. T'es stressée? Si tu veux des Kinder Country là, dans le sac, il y a Kinder Country M&M si t'as besoin. Ouais. Là, tu vois, tu vas pas me plaire. Tu vas pas me plaire parce que moi je la veux en 45. Y a pas 45? Tu l'as pas en 45? 44, je peux pas un peu d'orteil, c'est bon. Non, je peux pas faire ça, gros. Bah oui, mais regarde, je parle aux gens et tu me proposes du 46. Ça rentre du 46. Alors, toi, tu rentres du 46, Je rentre du 46. Mais je rentre du 46, mais je paierai pas 180 pour du 46. Thibaut, 45, il y a mon gars là-bas qui en a une. Là ? Ouais. Est-ce qu'il prend PayPal ? Parce que j'ai pas billet. 45, il prend PayPal, je crois. Tu crois ? Bien sûr. Mais il m'a dit qu'il était cher et je lui ai dit que c'est un pote à moi. Du coup. Ouh. Il est là ou pas ? Oui. Viens. 45 Chicago. Ouais. Ça va ou quoi? Tu vas bien, Thibaut? Vous voulez l'essayer Non, même pas. Tu l'as en 45? Ouais. Combien? 200. 200? Pas 190. C'est bon. Parce que je viens d'Andrea. Ouais. The friends and family. Oh, t'es vraiment le frère. Bon, première petite affaire, on est pas mal, hein, 190. Ça prend PayPal, maintenant faut trouver la Neutral Grey. Je sais pas si on va la trouver, mais on va voir. On paye 190 euros, envoyé à Saïf, son shop Tenzin Kicks, si vous voulez aller voir sur Instagram. Merci. Je t'envoie n'importe quelle paire de basket. Et voilà, première paire achetée. Merci à Andrea de Contraste, qu'on ira voir à la fin, je pense, pour faire un gros bilan et tout de l'event. Mais on est pas mal, maintenant faut trouver Neutral Grey à moins de 200 euros, parce que j'ai un petit projet à faire là-dessus, même si j'ai déjà. Tu aimes bien la paire, toi? Celle que j'ai achetée? Tu l'as même pas vue? On fera un récap à la fin. Ils vendent pas de Neutral Grey. Il n'y a pas de Neutral Grey, ils veulent pas m'en vendre. Mais il y a beaucoup de dunks en vrai. En vrai, si tu regardes, il n'y a que des dunks. Bon, après, c'est normal, c'est la vibe actuelle, mais il y a full dunk. Un stand Crêpe Protect. Alors viens, je vais t'expliquer un truc sur la boîte de jeu là, viens voir. En gros, tu vois, cette boîte de jeu, c'est un peu de l'escroquerie parce que si tu veux, elle sera victorieuse qu'à partir d'un certain nombre d'achats. Si ils mettent le truc à 1 million, bah, il y aura 1 million de personnes qui mettront 1 euro et derrière, après, ils auront un truc. Donc c'est un peu de la douille. Il faut le savoir, j'avais vu ça sur YouTube, mais c'est cool qu'ils le fassent. C'est un stand Crêpe Protect, il y a un stand de chaussons, j'ai l'impression. Et là, il y a l'air d'avoir des grosses paires. Bon, il faut aimer la dunk, hein. T'as toujours pas de badge, hein. Non. Mais si tu veux, je te donne un badge security, si tu veux. J'ai pas le gab, gros. Ah, il y a de la pâte, hein, par contre, ça, c'est intéressant. On va voir combien ça coûte. Bonjour, tu vas bien? C'est toi? Sérieux? Tu vas bien? Toi. Moi, j'ai déjà craqué, gros. En tout cas, au plaisir de t'avoir vu. Par contre, je regrette un peu d'avoir coupé la languette. On fait des erreurs des fois, c'est pas grave. À bientôt. C'est la première fois que je rencontre un abonné. Mais il n'y a pas de Neutral Grey ici, ils vendent pas de Neutral Grey, c'est un truc de fou. Aïe, je crois que la mission est morte. Je crois que c'est mort. Bon. Après avoir fait le tour, je crois que c'est mort, mais on va aller voir Andrea, etc. De toute façon, je vais vous faire des plans de tout ce qui se passe ici. Mais franchement, c'est grave lourd. On baissait la musique, donc je vais pouvoir mettre de la monétisation sur la vidéo. Je suis content. Donc on va aller voir Andrea. Bon, on a fait le tour, on a trouvé la Dunk Chicago chez le frérot qui m'a fait un prix et tout. Non, en vrai, vraiment le rêve. On a à Contraste, c'est le shop d'un pote à moi, en vrai, que je connais depuis 8 ans. Je sais pas, ça fait trop longtemps. 2013-2014. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire vendeur. J'ai envie de faire vendeur. Écoute, si tu veux vendre sur le stand, il n'y a pas de... On va essayer de vendre, je fais les prix que je veux. On va y aller. Tu vois avec les clients et tu me demandes. On va y aller. Umberto, je suis vendeur. Hein? Je suis vendeur. C'est vrai? Ouais. Je fais ce que je veux ici. Ah, c'est pas, t'as les... J'ai droit à une marge de négociation, je me fais engueuler. Tu peux rajouter un petit peu. On va voir. Ah ouais? Ouais. Personne veut m'acheter, mec. Moi, je vais faire une vente aujourd'hui. Je vais rentrer chez moi en me disant que j'ai vendu une paire aujourd'hui. Ça va, mon gars? Ça va? C'est à combien,
Attends, je vais te dire ça tout de suite. 40, il n'y aura pas ta taille. C'est 42,5 et 44. Il a vendu à 410. Bon, les gens, ils veulent pas forcément m'acheter des paires. Ce qu'on va faire, c'est que on va couper et quand tu vois quelqu'un qui est chaud, tu appuieras sur le truc, on fera le clap et tout, ok? 950. Tu veux du combien? Non, 42,5. Oh là là, attends, j'ai la vente de l'année. Non, je dirais son prix, j'ai pas dit que j'allais l'acheter. Elle a 700€. 700? Prends. Non, prends, mec. T'inquiète. C'est trop cher. C'est la paye, elle tombe quand en Belgique? C'est déjà passé la paye là? Merci en tout cas, mon gars. Merci à toi. Bonjour. 44, alors faut voir à l'intérieur. Alors vous faites du 44 parce que ça taille très petit, très petit. Ah. Donc s'il fait du 44, il faut qu'il aille chercher du 45,5, 46 je pense. Yeah. Oui. Ah, okay. Parce que ça taille vraiment petit. C'est quelle taille? Your size. 44. Alors là, c'est de la langue que je comprends pas, je peux pas aider. Mais c'est trop petit. 44, you have to take 46. Oh oui. Because it's really small. Ah, that's what you say. Yeah. Ah. And you have to take 46-47. Faut que je le dise en anglais et tout. Putain, tu me fous la honte là. Je peux parler, moi. T'inquiète, tu veux faire 200. You want to try it? Yes. 47? 47. 47, yes. You want to try it? Come here. Oh, yes. It's only 13. 47. And Hollery that has big foot like that. Yes. Yeah. It's great? Yeah. Yes. 200? Yes. It's good? Okay. All right. 200. The papa is counting. Cash? Yeah. You want to get money? All right. You want to repeat it? Il est où là? Cash. Cash? Your gift? Pay. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you. Have a nice day. Et voilà, le plus grand vendeur de France. Écoute, c'est ta vente. Non, t'es un ouf. T'es un malade. Voilà, en tout cas, ça fait longtemps que je voulais faire ça. Je suis trop heureux de l'avoir fait. Mais merci en tout cas. Tu vas partir maintenant? Non, je reste, je vais faire un tour là. Voilà, j'ai fait une vente. Bon, ça y est, je suis rentré, fin de l'event. Je suis trop content d'y avoir été. Je regrette vraiment pas d'avoir pris billet de train le matin, billet de train le soir pour pouvoir y aller. Parce que de 1, j'ai vu mon pote Andrea de Contraste que vous avez vu. Et je le remercie encore pour tout ce qu'il a fait. Pour ce mini séjour que j'ai passé en Belgique. Parce que franchement, il s'est un peu démené pour moi et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je mets ces liens en description comme d'habitude. Je suis moins énergique là que d'habitude. Hein. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des events. Je crois que le dernier sneaker event, c'était le dernier qui était mis en place. Et franchement, si vous kiffez de vidéos, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que j'ai envie de voyager et faire les events comme ça, alors avec des petits concepts. Je sais pas si ça rendra bien en vidéo le fait que je passe derrière, que je vende des paires, mais ça pourrait être trop cool d'en faire des concepts. Juste pour faire un petit rappel, du coup, on n'a pas trouvé la Neutral Grey, mais on a trouvé cette petite Chicago que je trouve très cool et pas chère encore actuellement, surtout avec une petite histoire autour justement de la NBA. Je suis très content, on en parlera sûrement dans les achats. De toute façon, cette paire là on va la mettre souvent parce que le coloris Chicago c'est mon préféré. Très content, dommage pour la Neutral Grey, on va devoir passer par un site de revente. Il y a un petit projet qui se trame derrière et je vous dis pas plus. Donc voilà, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous aimez ce genre de truc où on sort, on fait des vlogs, etc., alors peut-être que la prochaine fois on partira plus longtemps, comme ça ce sera moins fatigant. Mais en tout cas, si vous kiffez, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire pour me le faire savoir, et puis racontez-moi vos vies, racontez-moi vos events, faites ce que vous voulez dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ciao.